Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle épisode de la Minute du Jour. Je ne vais pas parler trop fort parce que autour de moi il y a des personnes qui dorment. Donc du coup, j'espère que vous m'entendez. Alors, la Minute du Jour d'aujourd'hui, tout simplement, je te demandais, est-ce que pour cette fin d'année, tu as pris des résolutions? Ça m'est revenu justement parce que c'est la fin d'année. Est-ce que tu prends des résolutions? Alors moi personnellement je n'en prends plus. Ça fait peut-être 4 ans que je ne prends plus de résolutions. Tout simplement parce que je les tenais jamais. Donc j'ai beau en mettre, je les tenais absolument pas. Et de deux, j'ai moi-même compris qu'en fait, les résolutions, t'as pas besoin d'attendre la fin d'année pour pouvoir appliquer des bonnes résolutions. Alors, en fait, ce qui fait que si tu veux bouger, si tu veux te bouger, si tu veux faire quelque chose, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, t'as pas besoin d'attendre une nouvelle année pour pouvoir le faire. Donc, si tu as besoin d'une nouvelle, enfin, de faire une nouvelle résolution, et eh ben, tu le fais. Tout de suite sur l'instant présent, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'attendre une nouvelle année, mois de décembre, toutes les fêtes et tout ça pour dire voilà, je vais me mettre à faire du sport ou je vais me mettre à lire plus de livres ou alors je vais faire attention à ce que je mange. Non, si tu veux, tu le fais dès maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre fin décembre pour te dire qu'il faut que tu commences à faire ça. Donc voilà, c'était tout simplement ça. Donc si toi tu as des résolutions pour cette année 2017, je t'invite à les mettre en commentaire. Moi perso, mes résolutions, enfin, ils sont déjà prédéfinis. Donc vous le savez, c'est publier de plus en plus de vidéos sur YouTube, consacrer aussi, donc ça va être pour le mois de janvier principalement, ma seconde chaîne YouTube, que d'ailleurs je vais vous remettre le lien dans la description, donc qui parle vraiment de tout ce qui est business en ligne et de marketing, communication, etc. Donc ça c'est ce que je dis sur ma deuxième chaîne. Donc tout ça ce sont des résolutions, et surtout la résolution que j'ai pris au mois de septembre, c'est réaliser tous les projets pour la danse et pour le web marketing. Donc tout ça ce sont des résolutions que j'ai pris bien avant. C'est pas maintenant que je prends ces résolutions là. Donc voilà, toi aussi partage tes résolutions pour l'année 2017 en commentaire, et je te dis à demain pour une nouvelle minute du jour. Passe une bonne journée